Emma le bloc, mon pote. T'as intérêt à mieux me regarder que ça, ouais. Il m'a gonflé, ce bâtard. Je vais l'assassiner. Il pue le mort, frère. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça va la forme? Ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça d'ailleurs. Mais du coup, les amis, dites-moi si vous, ça va la forme. Est-ce que votre rentrée s'est bien passée? En quelle classe êtes-vous rentré? Que ce soit au collège, au lycée, voilà, dites-moi tout. Que ce soit même votre travail. Dans quel travail vous travaillez? C'est pas français du tout. Putain de merde. Je vais boire un coup, ça ira mieux. Ah! C'est du bien par où ça passe. Bon les amis, trêve de conneries, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon, vous l'avez vu dans le titre, on va manger le bonbon le plus gros du monde. Il fait tout simplement 2 kilos, je l'ai trouvé aux États-Unis. Et ouais, là-bas ils font pas les choses à moitié, ils font les choses version XXL. Est-ce que vous avez déjà vu les petits bonbons oursons un petit peu en gélatine, un petit peu de toutes les couleurs? Je pense que tout le monde a déjà mangé ça au moins une fois dans sa vie. Bah là j'ai la version, El Patron, on va dire, la version extrême mon pote. Voilà. Je sais pas si vous avez déjà vu ce bonbon, il pèse tout simplement 2 kilos. Est-ce que c'est vraiment la même texture que les bonbons en gélatine qu'on mangeait quand on était gamin là? Je sais pas trop, je vais vous dire ça. J'ai acheté ça du coup début juin, on est début septembre, donc les amis ça fait exactement 3 mois que je l'ai acheté. Donc est-ce qu'il est encore bon? J'en suis pas sûr. J'ai retardé la vidéo parce qu'à chaque fois en fait ce qui s'est passé c'est que j'étais au Canada. Donc je l'ai acheté à la frontière États-Unis. Et j'ai retardé la vidéo parce qu'à chaque fois j'avais un événement de prévu, que ce soit un festival ou un autre événement ou un voyage etc. Et j'avais pas envie de tourner la vidéo avant un voyage parce que je me suis dit que le bonbon, depuis le temps que je l'avais acheté, il avait sûrement tourné et j'avais pas envie d'être malade d'avoir un événement ou un festival etc. Donc c'est pour ça que j'ai recalé tout l'été le tournage. Le petit machin ça fait 3 mois il est là, donc 3 mois en plus dans ma chambre il fait toujours 31-32 degrés. Il y a eu des canicules ici, 36 degrés, donc je suis pas sûr qu'ils soient encore en bon état. Si je suis malade bah tant pis, dans tous les cas fallait que je fasse la vidéo. Je l'ai payé cher, il y a le prix derrière, je l'ai payé très cher, donc vaut mieux que je tourne la vidéo, que je rentabilise le machin. Donc les amis, si je suis malade bah tant pis. Au niveau des calories comme vous pouvez voir, bang, c'est ultra calorique. On a du coup 120 calories pour 40 grammes, ce qui nous donne 1200 calories pour 400 grammes, ce qui nous donne 12 000 calories pour 4 kilos. Et vu qu'il n'y a que 2 kilos, on a donc 6 000 calories. Les amis, 6 000 calories dans ce machin. Donc le but du défi, vous l'aurez compris, c'est tout simplement d'essayer de le manger entièrement. Est-ce que ça va être faisable? Je n'en sais rien, c'est le but du défi. On va voir si c'est possible. Je vais aller puiser dans mes retranchements pour voir ça. Il s'avère que j'ai déjà mangé 10 croque McDo et arrivé au 10e. En vrai, ça allait. Et je me souviens qu'il y avait déjà 900 grammes, donc il y avait 1 kilo de bouffe. Donc je sais que je peux ingurgiter 1 kilo de bouffe. Est-ce que je peux ingurgiter 2 kilos sachant que c'est 2 kilos? Honnêtement, ça a pas l'air très très bon non plus. Je sais pas. Donc on va voir ça tout de suite. Et puis c'est parti. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont déjà essayé ce défi en France. J'ai jamais vu ça en tout cas. Mais en tout cas, j'ai fait mes recherches. C'est bel et bien le bonbon le plus gros du monde. Ah ouais. Ah, ça sent la fraise. Il sent encore bon. Il sent pas la merde. Donc s'il sent pas la merde, c'est que potentiellement il a pas tourné avec la chaleur. Oh là ouais. Ah ouais. Ils sont une odeur que j'ai déjà senti de ouf. Ouais, je crois que c'est goût frais. Putain, il fait vraiment gélatineux. Ah ouais. Putain, il glisse et tout. Oh mec. Ah ouais. Ah ouais. T'es mal au bloc. T'es mal au bloc, mon pote. T'as intérêt à mieux me regarder que ça, ouais. Je suis clairement en train de retarder le moment où je vais commencer à le manger parce que j'ai clairement pas envie. Bah, c'est. Je pense que ça va être appétissant, mais genre une oreille, quoi. Après, ça va être de la subition totale. Allez, on est parti. Mmh. Oh, c'est dur. Je pensais que je pourrais croquer, mais en fait, c'est hyper dur. Ah ouais, le gars, je lui fais tout, regarde. Bah, le gars, c'est pas si, là, c'est pas si tendre que ça. Je l'avais à bout de dents avec 2 kilos qui pend. Je me suis dit, avec 2 kilos, il va casser, même pas. Il tient. C'est tellement solide que tu peux assommer quelqu'un avec. J'en suis sûr. Il est vraiment pas bon, les gars. J'hésite à aller chercher des couverts, sans déconner. Ouh, bon. Oh. Tu fais moi le malin avec une oreille en moins. Fumier, là. J'ai trouvé l'arrière-goût qu'il y a, en fait. J'ai un putain d'arrière-goût de médicament. Bon les amis, vous voyez à quel point je galère à bouffer une oreille. Donc faites vos pronostics en commentaire. Est-ce que selon vous, je vais réussir à bouffer entièrement ce bonbon? Dites-moi tout ça en commentaire, je vous laisse écrire, je vous laisse le publier avant que je vous donne moi mon propre avis. Je vais vous dire honnêtement, je pense pas que je vais réussir. Et je vais me fixer un objectif, c'est d'au moins réussir à lui bouffer jusqu'à la tête là. Du coup les gars, je vois personne sur YouTube qui a déjà mangé ça entièrement. S'il y en a qui va l'essayer, bah franchement je vous déconseille, c'est dégueulasse. Y'a rien à dire. Je mange un bonbon, c'est tout. Pas gonflé ce bâtard. Je vais l'assassiner. Putain, il est dur, l'enfoiré. J'ai ramené le couteau du boucher. J'arrive même pas à le couper. Il veut pas mourir. Oh ouais. Pouah. Ah ouais, il saigne et tout. Là, je pense que vous pouvez mieux vous rendre compte de la densité du truc. Voilà. Je vais essayer de bouffer sa petite tête de con, là. Sa petite tête d'ourson. Bon les gars, je pense que les défis bouffe en mode dégueulasse comme ça, c'est pas mon truc. Moi je peux me faire des défis bouffe, giga tacos, McDo, y'a aucun souci. Je vous bouffe 100 nuggets, balèque, j'en bouffe 200 même s'il faut, ça c'est easy. Mais gros, ça c'est dégueulasse. Il a pourri, j'en suis sûr. Je suis sûr qu'il est mort. Il pue le mort, frère.
S'il y en a qui croivaient en moi et qui pensaient que j'allais réussir à croiver, que croire que j'arriverais à manger le bonbon en croivant que je croivais qu'ils croivent, et bah vous êtes trompés sur toute la route, parce que je vais même pas bouffer la tête, je crois. C'est dégueulasse, frère. Je sais même pas quelle idée j'ai eu à vouloir bouffer ça. J'ai fait la vidéo maintenant, c'est trop tard, j'ai plus le choix que de manger. Je peux pas vous laisser là-dessus, je peux pas vous dire les gars j'ai bouffé une oreille. Je suis pas un escroc. Enfin je m'en bats les couilles, à un moment donné, si j'ai envie d'être un escroc là. J'ai bouffé une oreille, je vous dis j'ai mangé le bonbon le plus gros du monde. Après en quelle quantité? Je l'ai mangé, frère. J'ai pas dit que je l'avais mangé entièrement, j'ai dit que je l'avais mangé. Si la vidéo s'appelle j'ai mangé le bonbon le plus gros du monde et que j'ai bouffé qu'une oreille, c'est pas si trompeur que ça le titre. Ça va. Je lui ai bouffé le nez, il ressemble plus à rien. Ouais, ouais ça lui apprendra à être dégueulasse. Bon. Bon. Dégueulasse. Honnêtement, je vais vous le dire, il y avait 2 kilos. Je me suis dit, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'étais honnête, je vous l'ai dit, je pensais au moins manger 1 kilo. Donc la moitié. Les gars, j'ai mangé, je pense au total, peut-être 50 grammes, voire au max 100 grammes. Je vais bouffer une oreille et le nez. Mais je peux pas continuer en fait. C'est vraiment dégueulasse et je pense que je vais me rendre très malade en bouffant ça. Que de 1, je pense qu'il a tourné. Ça fait 3 mois qu'il est en pleine cagnasse, il a tourné, c'est évident. Surtout le derrière. Ça peut pas avoir ce goût-là, c'est pas possible, c'est trop dégueulasse. Donc les gars, cette vidéo est un échec cuisant. Au moins j'ai essayé, j'ai tenté. Ne peut avoir des regrets que celui qui ne tente pas vient de l'inventer. Arthur 2022, voilà. Bon les gars, bah que veut dire de plus? De 1, n'achetez pas ça, c'est dégueulasse. Contentez-vous des petites versions, c'est très bien. De 2, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Alors je sais, là, c'est pas très impressionnant, mais je vais réaliser plein d'autres défis. Vous inquiétez pas, ça arrive. Donc les amis, j'ai prévu sur cette chaîne de tourner un petit peu avec 3 formats différents. Donc le format défi, le format vidéo réaction et le format histoire storytelling. Donc faire vraiment des grosses vidéos tout là-dessus, puis continuer à faire des petites vidéos en shorts. Pareil sur les mêmes thèmes, vidéo réaction, storytelling et les petits défis. Sur ce, bon là c'est un défi échoué. Donc comme prochain défi culinaire, peut-être que j'essayerai le giga tacos ou tout simplement manger 100 nuggets. Dites-moi ce que vous préférez en commentaire. Est-ce que je tente le giga tacos ou est-ce que je tente les 100 nuggets? Dites-moi tout ça, l'espace commentaire est fait pour vous. On arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications. Sur ce, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Arthur, à bientôt. Ciao.